Christophe Delachaise, merci beaucoup de terminer cette journée avec nous. Quel est votre sentiment sur ces deux jours ? Voilà, ben, je pense qu'on a vécu deux belles journées avec des intervenants très divers qui nous ont amenés sur des registres aussi différents que l'économie, la géopolitique, la fragilité ce matin avec Anne-Dauphine Julien. Et puis on a terminé par un registre à la fois sur l'économie générale avec Nicolas Bavrez et puis bon, le choc de Oussama Hamar qui nous dit bah, attendez là les gars vous n'êtes plus du tout, c'est maintenant c'est un monde nouveau donc ne venez pas nous embêter avec des logiciels qui sont finis, là c'est vraiment un nouveau logiciel. Donc voilà, on a eu des moments de réflexion, on a eu des moments de remise en question. On a eu beaucoup de moments d'émotion et je pense que, voilà, moi je suis content parce que notre objectif, c'est de pouvoir faire partager voilà, des belles choses aux participants, de pouvoir les faire réfléchir, de pouvoir les amener à prendre du recul. Et je pense qu'on a vraiment été dans cette remise en question positive. Il y avait beaucoup d'entreprises, il y avait presque 600 personnes, je crois, aujourd'hui. L'objectif pour les entreprises, c'est d'acquérir de nouvelles façons de penser. Je pense que les chefs d'entreprise qui sont là, enfin en tout cas les décideurs, et c'est la grande majorité, ils sentent qu'ils ont besoin d'une part de temps où ils peuvent prendre du recul. Ils ont envie aussi, je pense qu'ils adhèrent à notre idée fondatrice qui est remettre l'humain au cœur de l'entreprise et c'est décliné chaque année avec des thèmes différents et je pense que pour eux c'est important qu'on leur donne des clés de lecture avec des hommes et des femmes qui partagent cette idée. Et puis je pense aussi qu'ils sont contents de retrouver à cette rentrée d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des habitués, il y a des nouvelles personnes, de se retrouver aussi entre eux. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne manquent pas ce rendez-vous parce qu'ils savent que voilà, ils vont retrouver tout ça. Le programme pour l'année prochaine ? Alors, on va déjà dépouiller toutes les enquêtes et voir les suggestions donc, des participants, parce que ça, c'est vraiment important. Il y a un thème qu'on a en tête. Je ne sais pas si c'est ça qu'on choisira, mais le thème du pouvoir nous attire pas mal. Parce que il peut se décliner sur beaucoup de sujets, avec des gens différents, avec des approches différentes.